Et il s'élance à l'instant pour le tiercé quarté quinté plus. Le Qatar pris du Palais Garnier. Avec le favori, le numéro 1, Bayoun, Kazakh jaune, qui a pris un très bon départ et est venu de ce fait s'installer aux commandes devant une autre Kazakh jaune, celle portée par Pierre-Charles Boudot, qui est en selle sur le numéro 2, Scaletto, alors que le numéro 14, Fast Not Lighting, est en troisième position devant le numéro 8, Larno, qui vient ajouter la corde, alors que Cry Baby, Kazakh jaune, toque verte, est pour l'instant en cinquième position et vient encore avec le numéro 5, Sinbad, alors que le numéro 15, Sweet Icon, est en sixième position à l'instant et que le numéro 6, Dylan Dancing, progresse maintenant en épaisseur Kazakh blanche, venant au contact des premiers, accélérant encore d'ailleurs d'Island Dancing pour prendre l'avantage. Scaletto est repris par Pierre-Charles Goudot qui va donc profiter ainsi de son sillage. Fastlet Nighting est en troisième position. Bayoun numéro 1 et quatrième devant Larno avec Crybaby qui pour l'instant voyage très bien. Numéro 7, Rizit Shop est en 6-7e position. Sweet Icon se retrouve à l'extérieur devant le numéro 5, Sinbad devant le 10, Wow. Alors que Wicall patiente à cet instant devant Dégrisement ou encore Xotic devant également le numéro 16, Rebel Lightning. Alors que le numéro 4, Sanjita est en dernière position. La dernière ligne droite avec Dylan Dancing qui est le meilleur, mais Scaletto progresse à la corde, Bayoun progresse à la corde également, et puis le numéro 14, Fastnet Lighting, qui maintenant est lancé en pleine piste. Fastnet Lighting, quel avantage avec Cry Baby maintenant qui progresse à l'extérieur, avec Bayoun qui est en troisième position, alors que Wicall à son tour tente de revenir. Fastnet Lighting pour la victoire, Bayoun le numéro 1 qui vient de mieux en mieux à l'intérieur, Bayoun qui prend l'avantage sur Fastnet Lighting, Bayoun s'impose, Fastnet Lighting est deuxième, troisième place pour le numéro 5, Sinbad devant Rebel Lightning, et en retrait on retrouvera le numéro 7, Rizishop, qui est certainement cinquième.